Salut à tous, c'est Sagui pour l'épisode 3, l'espèce Imagri. Donc, mille excuses pour hier sur l'épisode 2 qui s'est apparemment qui s'est mal déroulé puisque quand j'ai appuyé sur F10 fin de l'enregistrement, il n'y avait pas de son. Donc j'ai mis de la bande sonore, ce qui est assez monotone quand même, quoi qu'il arrive. Donc, je vous en veux pas d'avoir de pas avoir regardé la vidéo 2 ou de l'avoir zappé. Donc, pour info, j'ai vraiment la poisse car je viens de faire un let's play encore d'une demi-heure et ça a bugué. Voilà, donc là je vais abréger puisque en fait tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur le let's play qui a bugué. Donc dans le let's play qui a bugué, alors je disais que j'avais fait quelques achats. Pardon. 1, 2, 3, 4. Quelques achats sur à la coopérative, car la coopérative a lieu le mercredi. En fait, il y a deux marchés. Hein, la coopérative, c'est le marché des animaux. Hein. Et donc, en fait, on peut acheter en régional et en national. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on est mercredi. Et le mercredi, c'est... Et non, c'est pas ravioli. C'est le marché national. Et donc, le samedi et le dimanche aussi. Du coup, on a de meilleurs animaux. Et alors, j'ai acheté des lapins mâles, 55. Il va falloir que je les nomme, tout ça. Et qu'est-ce que je disais? Et donc pourquoi des lapins mâles? Tout simplement parce que les lapins, en fait, bon, mais les habitués le savent, hein. Ceux qui connaissent le jeu le savent. Donc les lapins, eh bien, étaient bloqués à la somme des indices de 300. Alors forcément, il faut que je trouve des lapins avec des 400. Bon, et 400 pour les lapins en gras. Et donc en fait ils étaient débloqués à un indice de 100. Et donc en fait les tout premiers lapins qui ont plus de 100 viennent juste de passer adultes il y a déjà quelques semaines, donc quelques mois si un gris. Depuis le mois de janvier en fait on trouve des adultes à plus de 100. Même avant puisque ouais mois de novembre sans doute ou mois de décembre. Enfin bon bref je suis à la bourre moi perso. Et du coup, moi, je me retrouve avec des lapins qui sont toujours bloqués à 100, en fait. Donc, qui sont bloqués toujours à 100. Alors, un exemple, mes meilleurs lapins, en fait, qui sont nés chez moi, hein, qui sont nés chez moi, ils sont toujours bloqués à 100. Voilà. Donc, ça, c'est tous mes animaux qui sont nés à la ferme. Mes lapins, mâles. Qui sont nés à la ferme et du coup comme vous voyez forcément sauf Alaska mais bon c'est pas encore c'est pas génial génial quoi du coup je suis allé à la COP et j'ai acheté tous les animaux donc lapins donc tous les lapins pardon qui ont plus de 100 en indice donc je vais faire Asia désolé les gens. Et tout ça pour forcément. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas regardé l'épisode 1, donc ils vont dire, mais il est fou lui, il va pas réussir à gérer tous ses mâles, et à quoi ça lui sert les mâles, puisqu'il s'en sert que de quelques-uns. Et ben non, moi je me sers pas que de quelques-uns, j'utilise tous mes mâles, absolument tous mes mâles sont utilisés, et j'utilise, contrairement aux autres, contrairement avant. Que je faisais ça, eh bien j'utilise tous mes mâles puisque je mets les indices de ma femelle ici et j'ai le bon mâle qui va avec la bonne race et en fait si j'ai une correspondance au lieu d'utiliser mon meilleur mâle, eh ben non j'utilise mon plus mauvais mâle qui a la correspondance à 100% en trois indices. Bon bref, voilà. C'est un petit détail que peut-être les joueurs connaissent, voilà, comprendront surtout. Donc, voilà, j'ai acheté pas mal de lapins. On va pas en faire un feuilleton non plus. Merci pour les nommeurs, bon courage. Voilà, tardez pas trop parce que, voilà, bref.
Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Alors oui, donc pour résumer l'épisode d'hier, puisqu'il n'y avait pas de son, donc pas de commentaires, hier j'avais 709 euros, je crois, à la fin de mon épisode. Eh ouais, alors comment ça se fait qu'il a 144 000, 100, 141 000. Oh là là, pardon, il est 3 heures du mat, ça a bientôt bugué. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pourquoi j'ai 140 000? Tout simplement parce que sur le Let's Play qui a bugué tout à l'heure, j'ai vendu mes lapins mâles. Poussins mâles, pardon. Oh là là. J'ai vraiment mis mal. Donc poussins mâles, bah oui, mais il en reste encore. Bah oui, mais j'ai vendu tous mes poussins mâles qui avaient plus de deux animaux en fait. Tous les animaux qui étaient liés, quoi, je les ai vendus pour garder que les mâles qui. En un exemplaire, afin de les faire grossir, de les faire grandir et de les avoir adultes en coq. Hein? Donc ça donne ça en fait en jeune coq. Hein? Donc les premiers coqs qui sont nés il y a 6 semaines vont bientôt arriver. Et donc là, on va faire de jolis coqs à 380. Il reste 4 jours. J'espère que ça va me dépasser les 400 parce que moi je suis déjà à la bourre alors que j'étais le meilleur dans ma région. Là, je suis vraiment à la bourre. Il y a Maxou qui nous a sorti un 410 de la mort qui tue. Donc avec du sang partout sauf un ou un à 10 avec 99,9, je suis vert. Donc Maxou 48, bonjour à toi, je sais que tu me suis. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais de toute façon, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Je l'ai fait sur ma vidéo qui a bugué, donc je vais parler vite fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc hier, donc bah, ce que je vous ai expliqué, j'ai en fait, j'avais pas le son, donc j'ai pas pu vous expliquer, mais bon, j'ai nourri mes animaux, hein, tout simplement. J'ai nourri mes animaux et donc de 42K, je sais pas si vous avez vu la qualité laissée à désirer hier. 42K, j'avais au début de l'épisode et à la fin j'avais 709 euros. Et ouais, la bouffe ça coûte cher et je crois que j'en ai encore à avoir pour un moment. Oui. Pour encore des sous ce soir. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, oui, donc mes objectifs étaient de rembourser mes deux prêts, mais le problème c'est qu'avec la bouffe qui coûte la peau du rotule droit, eh bien bah, je préfère encore attendre un petit peu d'amagasiner, ouais, enfin bon, de prendre des sous, quoi. Car en fait, mes jeunes poules vont arriver à terme, donc je vous l'ai montré déjà, dans 4 jours. Du coup, ben, vous voyez. Non, pas ça. Donc, mon premier lot de poules va arriver, donc à partir de 5 mois. 5 mois et 2 jours, là. Donc, en fait, mes plus mauvaises, quoi, l'eau. Hein, je garde mes poules à partir de 377. Et donc tout ce qui est en 377, je vire, quoi. Donc soit au marché, soit direct à l'abattoir. Donc il me faut des sous, il me faut des sous, quoi. Bah, il y a des grandes chances que ce lot-là, ce lot-là, ce lot-là. Et bien sûr les poules, hein, qui vont avec. Bah, tout ça, ça vire. Là. Tout ce qui est en lot, là, déjà, ça va virer. Alors, ça m'intéresse pas du tout. Et tout ce qui est en dessous de 377 en poule, entre 370 et 377, donc je mettrai au marché, mais en dessous, je crois pas que les gens ils gardent des poules en dessous de 370. Je trouve ça débile et idiot. Mais bon, après, chacun joue comme il veut. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Donc des sous-sous dans la popoche dans 4 jours. Voilà. Et puis je pense qu'à ce moment-là, je pourrais rembourser mes prêts. Puisque c'est dimanche en fait. Hein, dimanche. Voilà. Et donc qu'est-ce que je vais faire avec ces sous? Mes prochains.
C'était très facile pour rembourser le machin puisque je savais que j'allais avoir des sous. Alors, mon projet en fait à moyen terme maintenant donc ce sera de m'acheter de me faire construire quatre bergeries à 1000. Pourquoi quatre bergeries? Parce que tout simplement il y a les nouvelles races qui vont arriver, il va y avoir quatre nouvelles races d'ovins qui vont arriver, donc du coup vous voyez c'est full un peu partout là. Et vu que j'avais pas les moyens pour voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse aussi? On va dépenser un peu de sous, tiens. On va dépenser un peu de sous. On va prendre les. C'est où je suis fou, je sais plus. Ouais, on va me prendre mes poids de vigne. Alors je classe par race, hein, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas assez de filtres, je trouve, dans Simagri, donc je suis obligé de faire comme ça. Chef, voilà, donc animaux. On va faire quand même quelque chose là, que je parle pas, que je fasse quand même quelque chose. Donc poids de vigne. Dans ma chèvrerie, poids de vigne. Donc là, j'ai toutes mes chèvres que je vais déplacer dans chèvrerie vide. Je vais faire la même chose avec mes boucs. Poids de vigne. Déplacer dans chèvrerie vide. Tac, ça c'est fait. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un filtre pour avoir tous les poids de vigne de toutes les catégories, quoi. Je sais que vous m'écoutez, les admins. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà. Peut-être que vous allez peut-être comprendre des choses sur la façon de jouer des joueurs. D'ailleurs, les gens, allez-y, hein, faites des let's play, quoi. Montrez aux admins comment vous jouez et peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger parce qu'il y a certaines choses. C'est un peu abusé, quoi. Le nombre de clics. Inutile. Inutile. Bon, dans 4 minutes, ça bug. Il faut que je me grouille. Donc, poids de vigne, poids de vigne. Donc voilà, poids de vigne. Donc déplacer dans. Vide. On fait la même chose avec les chevreaux. De toute façon, si ça bug, j'arrêterai l'épisode au moment où ça laguera parce que ça dure plus de 10 minutes. Donc, c'est soit à 30 ou soit à 40, je sais plus. Déplacer dans. Vide. Oups. Déplacer dans. Vide, j'ai dit. Voilà. Tac. Rove. Non, pas Rove. Et on voit qu'il est tard quand même. J'ai rien vu, j'ai rien fumé, hein, je vous rassure. Tac. Alors, chèvrerie, poivre de vigne, c'est bon. Normalement, bâtiment. Tac. On va dans. Ouh, t'as du mal, ça y est, là, aujourd'hui. Chèvrerie, poids de vigne, c'est quoi ce bordel? J'ai des chevrettes, tiens. J'ai pas fait les chevrettes. Chevrette, poids de vigne. Bon, ben allons-y. Hein. Non, chevrette. Je viens de le faire un instant, là. C'est quoi ce délire? Pardon. Vide. Ça c'est fait, bâtiment, chèvrerie. Ça c'est fait. Allez, on se dépêche. Plus que 2 minutes. Ah, à chaque fois c'est. Là, je vais juste vous montrer un autre truc, poids de vigne. Donc là, on va faire vide. Vide. Et du coup, le vide, on va mettre poids de vigne. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour agrandir mes bâtiments au fur et à mesure. Vous voyez que ça devient urgent. Même là, il va falloir que je. Puis j'ai pas les moyens de faire directement. Et puis ça met déjà 3 jours pour mettre 100 mètres carrés de plus. Donc qu'est-ce que je voulais? Oui, donc ça,
Je veux l'agrandir. Agrandir ce bâtiment de 100 mètres carrés. Ouais, ça c'est fait. Après, ça, entretenir, c'est déjà fait. Ah non. Tac. Tac. Après, tac, tac, ça c'est fait. Ah oui, je voulais vous montrer un truc sur le CIA. Si des fois les admins me voyaient, m'entendaient, ce serait bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer, oui. Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Vache. En plus, vache, j'ai une vache à inséminer. Je voulais les garder exprès pour vous. Mais bon, il est 3h30, ça y est, c'est lagué. Ah non, je suis mauvais. Non, merde. Alors, on va inséminer cette vache. Ok, on est d'accord. Je vous ferai une démonstration un jour où je suis pas entre deux lags. Donc, on va dans les vaches. On va dans les bovins. On va dans. C'est quoi comme race? On va dans la blonde d'Aquitaine. Hein. C'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, blonde, blonde d'Aquitaine. Très compliqué mon logiciel. Notre logiciel. Enfin bon, votre logiciel aussi si vous le prenez. Allez gros, avance. Par contre là, moi je dois ramer grave. Bah ouais, tu m'étonnes. Allez. Bon, bah tant pis. Si. Oui, non, non, oui. Oui, non. Bon, voilà. Donc ça, en fait, c'est toutes les vaches de Pays de la Loire. Peut-être qu'il y a des erreurs, je sais pas. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Et après, donc 49, 46. J'indique 49, 46. Déjà, c'est plus pratique pour ce genre de choses, hein. Vous voyez, c'est plus la même chose que pour les lapins. Et là, il y a 5 indices. 57, 68. 57, 68, surtout ne pas oublier d'utiliser la virgule. Après, 43, 72, 43, 72, 43, 72, 59, 14, 59, 14, 62, 98, 62. 98. Voilà, ça c'est fait. 272, 98, c'est bon. Et donc. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ben, je peux savoir. Alors, moi, j'ai pas du tout de taureau parce que je viens juste de commencer. Donc, en fait, le plus rentable pour. Donc, le plus mauvais des taureaux en somme des indices hein, qui correspond à 100% à ma vache. C'est-à-dire qu'il a les indices, tous les indices, alors on peut vérifier comme le fermier dirait, du 72. Merde, c'est quoi ce délire? Excusez-moi. Ça me saoule. Aujourd'hui, je suis poisseux là. C'est quoi le bordel là? Ah bah monsieur, il sauvegarde alors que j'ai rien foutu. Ouh là 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 là. Mais bon, pendant ce temps-là, ça va laguer. Est-ce que c'est 40 ou est-ce que c'est 30? Suspense. Bref, j'en suis à combien? Putain, 18 minutes déjà. Bordel, excusez-moi. Ouh, j'ai des gros mots. Allez, on se dépêche. Putain. Bordel de merde. Excusez-moi. Et ça m'embête. Bon. Donc libre. Je vais aller chez Maintenant de Joue. On va voir si. Parce que il veut bien me les inséminer, Maintenant de Joue, mais vu que c'est. On va dire que c'est pas génial, quoi, niveau machin, quoi. Niveau somme des indices, c'est pas des mémères bien haut de gamme, on va dire. Donc du coup. Opos, voilà. Du coup, Men, il veut bien me les inséminer, mais seulement
à certaines conditions. Du coup, tous les CIA. Comment il s'appelle le gars? Alain. Opos. Donc, Opos. Opos. Voilà. Tac-tac. Alors, surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. De toute façon, je prends en compte seulement ceux qui sont abonnés. Les j'aime, à la rigueur, je prends en compte. Mais le nombre de vues, en fait, apparemment, c'est quand même assez. Même moi, je pourrais faire gonfler le compteur, quoi. Donc, je sais pas vraiment si. Par rapport aux commentaires sur Facebook, quoi, la démarche plaît. La vidéo a l'air de plaire, en tout cas la première. Donc, bah, je continue. Mais bah, si vous me mettez un pouce en bas, dites-moi pourquoi. Et dites-moi surtout ce que vous voulez que je parle, quoi. Que je fasse. Oui, je vais vous montrer d'autres choses. Faut que je vous montre quelque chose. Rappelez-moi qui vous. Ouais, voilà. Faudrait que je vous montre aussi la partie viticole. Que j'ai fait aussi sur l'autre gaming. Sur Let's Play. Et puis je vous ai montré aussi la partie mon annexe, mais vu que la vidéo a bugué, je vous ai rien montré du tout. Donc CIA, CIA, contrat. Non, marche pas. Bon, contrat. Allez. Contrat, qu'est-ce que je voulais? Suivi des commandes. Voilà. C'est quoi ce délire? Ah bah non, plus. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis abruti aujourd'hui? Bon, bref. Bon, autant pour moi. Il y en a qui doivent se marrer là, en même temps. Donc, bah, je peux pas vous montrer ce que. Les admins, regardez les épisodes prochains. Faut que je vous montre un truc, franchement, c'est aberrant. Donc, je sais pas si vous jouez à votre propre jeu, si vous testez vos propres améliorations et vos propres choses, mais il y a un truc qu'il faut absolument que vous améliorez, quoi. On essaye de vous l'écrire, de vous l'hurler sur le forum, mais ça marche pas. Donc, bah, tant que j'ai la parole, hein, je m'exprime. D'ailleurs, j'ai plein d'idées, hein, pour l'amélioration de Simagri, si vous voulez m'écouter. Ah oui, il y a un truc qu'il faudrait que je montre aussi, mes objectifs génétiques. À chaque fois, j'oublie. Ce serait bien de rappeler sur la page, vous avez tant d'animaux à mettre là-dessus, là. Ce serait cool, ça. Voilà. Bon, alors. Parce que là, j'allais les tuer, mes animaux. Alors, 16, 5. 5 à présenter. Alors, comment ça se passe, histoire? Donc, en fait, ça, c'est la partie ivrace. C'est-à-dire que quand on atteint un certain palier en génétique, donc, vu que c'est statique depuis 2 ans, c'est pas très très difficile d'atteindre 53 en croissance. Vous avez fait des améliorations au niveau des indices, c'est très bien, mais ce serait bien que ça se mette en temps réel à jour, ce serait cool ça. Enfin, je trouve ça, ce serait par rapport à une moyenne ou par rapport à quelque chose. Parce que je trouve ça facile. Ou faire un palier numéro 2 pour augmenter ce nombre. Donc en fait, la génétique, donc en fait, faut que les animaux ont un seuil minimum. En fait, c'est des objectifs, quoi. C'est des mini-objectifs. Si on peut appeler ça objectif, et donc et à chaque fois qu'on a un animal, donc on a 15 par chaque appellation, et donc et quand vous remplissez un objectif, vous avez le droit à un animal de plus dans les places acquises, et du coup ça vous débloque des races rares sur le jeu, donc et c'est le seul moyen pour les avoir. Le problème, c'est que moi, je veux tout avoir et faire toutes les races. C'est impossible, quoi. En tout cas, c'est très, 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 très difficile de faire toutes les races, surtout si vous n'avez pas toutes les places de débloquer. Et même en débloquant toutes les places,
Moi, je fais toutes les races de lapins. Je suis obligé de garder que 3 lapines et un mâle. Donc, c'est infaisable, quoi. C'est limite de l'optionnel, quoi. De toute façon, c'est de l'optionnel, mais à la base, ce serait bien d'augmenter les places, ne serait-ce que pour les lapins et. Enfin, pour tout, quoi. Pour les autres, je sais pas, mais au moins pour les lapins, quoi. Au moins pour les lapins. Parce que lapin, il y a combien? 50. Sérieux. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je crois qu'il y a 9 races. Il y a 9 races de machin. Donc ça fait. Donc j'ai fait une calcul. Donc vous faites 50 divisé par 9. Hein, et ça vous fait 4 places. Donc 3 lapines et un lapin. Hein, c'est vite fait. Hein. Donc ce serait bien de monter, quoi. Même 70, ce serait cool, quoi. Ce serait cool, quoi. Parce que j'en ai discuté avec plusieurs éleveurs, dont Maxou 48. Et c'est vrai que lui, il s'est spécialisé dans une race, voire deux, je crois. Et bah moi, mon objectif, c'est de faire toutes les races. Toutes les races. Alors, attendez, je vous montre ça. Tellement de choses à dire et puis tellement peu de temps, 26 minutes déjà. Donc vous voyez là, il me reste plus que 2 places. Et vous voyez, ça c'est des races rares en fait. Et donc vous pouvez soit obtenir un machin. Et en fait, quand vous avez plus du tout de place, eh bien toutes les naissances sont bloquées. Et le mode d'assémination est différent, puisque en fait c'est un système aléatoire. Donc c'est-à-dire que si vous avez plusieurs lapins mâles et plusieurs lapins femelles, ben, c'est aléatoire. S'ils sont dans le même bâtiment, ben, le lapin peut aller avec X ou Y en femelle, et le lapin B peut aller avec aussi X ou Y, peu importe laquelle, quoi. Donc du coup, autant avoir un seul lapin, avoir le bon indice, et puis avoir les femelles en dessous, quitte à virer les meilleurs, quoi. Voilà, donc plus on a d'individus, forcément plus on a de chances d'avoir des meilleurs indices, mais avec 3 lapines, mais c'est plus lent, c'est sûr. C'est plus lent et je sais très bien que si je trouve pas de lapin au prochain salon, là, Ivrade, avec de gros indices, j'arriverai jamais à rattraper les meilleurs. Or, c'est mon objectif. Voilà. Tac tac, j'ai toujours pas fait mes tac tac. Bon, mais il est 3h42. Tiens, ça bug pas aujourd'hui. C'est mercredi, c'est pour ça? Ils savent que je tourne, c'est pour ça. Alors, donc 5. Allure générale, le prochain. Non, qualité de lait, d'accord. Allure générale. Ouais, d'accord. Donc faut que je trouve 5 qui seraient. Je vais prendre celui-là. 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 1, 2, 3. C'est embêtant ça. Je vais prendre celui-là parce qu'il rentre pas ici. Et puis. Celui-là, allez. Et bing. Présenter la sélection. Bon, il est 3h43. J'étais mauvais dans tout à l'heure, mais. Tiens, ils ont 3 minutes de retard aujourd'hui. Bon, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En fait, c'est chaud de faire rien d'espère. Je suis trop bavard, moi. Bon, ça bug à cette heure-là. De toute façon, c'était prévu. Surtout, je voulais absolument faire mon let's play entre 1h30 et. Donc, dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous parler de la viticulture. Donc, faire ça en journée, la prochaine vidéo.
De mon annexe, parce que j'ai une annexe aux USA et bon bah je m'en sers pas beaucoup, hein. Franchement j'ai qu'une dizaine d'animaux, pas grand chose. Allez, on va dire une vingtaine d'animaux quand même. Mais toujours sur le même principe, la génétique, mais en partant de peu et je voudrais arriver à un élevage gros, mais ça va être chaud, ça va être long, étant donné que je suis au chômage, je sais pas si je vais repayer 10 euros pour une année qui me sert à rien, quoi. J'ai trop de choses à faire sur celle-là déjà. Donc ben, la prochaine vidéo donc ce sera consacrée ben, je vais vous montrer la viticulture, la partie de la viticulture que je viens de commencer aussi, mais qui m'intéresse bien plus que l'annexe. Et donc mon annexe, et puis qu'est-ce que je voulais vous montrer, et puis pour les admins, je vais vous montrer un truc sur le CIA, car je trouve ça hallucinant, quoi, de valider des choses qui sont évidentes, quoi, en fait, hein. Puisque moi j'utilise mon propre CIA en général, à part pour les bovins, mais ça c'est une exception qui confirme la règle. J'insémine avec mes propres mâles. Normalement, ça devrait être direct, quoi. J'utilise mon propre mâle. J'ai pas validé ma proposition. Voulez-vous inséminer? Ben, forcément, je vais inséminer. Non, non. Je vais juste regarder. Non, faudrait faire un truc, franchement, qui soit plus acceptable. Parce que moi, j'y passe des heures et des heures là-dessus. Là, c'est à valider, chaque fois à valider, et ça me prend même en spasme la petite fenêtre. Voulez-vous valider? Gna gna gna. Bon, mais oui, forcément, je veux valider. Tu crois quoi, là? Bon, bref. Donc, je vous montrerai tout ça, et puis, bah voilà, quoi. Donc, likez, abonnez-vous, lâchez des coms, mettez des pouces rouges si vous aimez pas. Enfin bon, bref, bah exprimez-vous quoi sur YouTube, hein, et puis quoi vous dire? Eh bien, bah, bonne nuit parce que 3h46, voilà quoi. Moi, je vais mettre 2-3 heures à tout mettre ça pour que vous ayez ça demain matin. Voilà. En attendant, voilà. Bon, en attendant, je vous dis bonne nuit et puis à la prochaine vidéo. Salut.